Mesdames et messieurs, aimables lecteurs et téléspectateurs de guinematin.com, bienvenue dans votre grande interview, la grande interview de Guinematin. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir l'honorable Kalemoudou Yansané, un éminent spécialiste en pont et chaussées et vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Avec son expertise en infrastructure et son engagement politique, M. Yansané est particulièrement bien placé pour nous éclairer sur les défis posés par les inondations récurrentes à Conakry. Ces inondations qui causent d'énormes dégâts matériels et menacent la vie des habitants, sont devenus un enjeu majeur pour la capitale guinéenne. Dans cette interview, nous aborderons les causes profondes de ces inondations, les solutions potentielles et le rôle que peuvent jouer les infrastructures de transport dans la prévention de telles catastrophes. Bienvenue, honorable Yansané, et merci de vous joindre à nous pour cette discussion importante. Alors, honorable, comme vous le savez, nous sommes tous à Conakry ce dernier temps et nous avons enregistré de fortes pluies au cours de ce mois d'août qui ont fait des dégâts matériels importants ici et là dans les différents quartiers de Conakry. Alors, on va essayer un tout petit peu de parler des causes, des conséquences et tant d'autres éléments liés à ces inondations. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours en tant qu'ingénieur de pont et chaussée et de votre expérience professionnelle dans ce domaine? Merci beaucoup. Je commencerai par parler de mon parcours académique. J'ai commencé par le lycée technique, après avoir fait bien sûr le collège technique. Donc du lycée technique, je suis venu à l'Institut polytechnique de Conakry. Et j'ai eu le privilège d'avoir un diplôme en génie mécanique qui a été suivi d'un autre diplôme en gestion des investissements après 2 ans de formation au CNPG. Et après le troisième diplôme que j'ai eu la chance d'avoir, c'était un diplôme de ponts et chaussées que j'ai eu également avec la mention excellente. Donc j'ai eu la chance, le privilège d'avoir ces 3 diplômes, premièrement génie mécanique, deuxièmement gestion des investissements et troisièmement ingénieur des ponts et chaussées. Voilà ce que j'ai comme diplôme sur le plan académique. Maintenant, sur le plan professionnel, bien sûr, j'ai commencé ma carrière au niveau des travaux publics. Et ensuite, j'ai passé près de 6 ans au niveau de la présidence, d'abord en tant que conseiller technique, et après en tant que directeur national du contrôle économique au ministère du contrôle économique. Et après, je suis retourné encore au TP comme conseiller du ministre, après directeur national de l'entretien routier, et ensuite directeur national des investissements routiers. Et après, secrétaire général du ministère des Travaux publics. Donc j'ai passé le clair de mon temps au niveau de ce département. Même lorsque j'étais à la présidence, je m'occupais des dossiers des travaux publics. Quel est votre constat sur l'ampleur des inondations que nous observons actuellement à Conakry? Bon, malheureusement, l'ampleur ne va que grandissant. Chaque année, le phénomène s'empire davantage. Donc le constat est là. Sur les habitants, sur le commerce, sur les routes, chaque année, nous subissons le même phénomène. Donc, on parle d'ampleur, vous le constatez comme moi, chaque année, nous subissons le même phénomène. D'abord, il est naturel, il est climatique, mais il est aggravé également par le comportement de l'homme. Quels sont, selon vous, les principaux facteurs qui contribuent aux inondations récurrentes à Conakry? Vous savez, lorsqu'il pleut, les eaux qui tombent doivent ruisseler librement pour aller à la mer. Si les eaux qui tombent du ciel, que Dieu nous a offert gracieusement,
n'ont pas de passage naturel pour aller à mer, évidemment, ils vont chercher du passage. Ce qui aggrave, donc, c'est le comportement de l'homme, parce que l'homme habite actuellement les bassins de rétention naturelle des eaux pluviales, de tous les espaces qui étaient réservés, les grandes cuvettes naturelles qui sont réservées pour recevoir l'eau, sont occupées par les habitats. Ensuite, le passage de ces zones de rétention à la mer, ça c'est les grandes rivières, sont également obstruées par les constructions anarchiques. Et après, bien sûr, les remblayages systématiques de la mangrove que nous constatons à Conakry. Si vous allez à Belvédère, à gauche et à droite, tout est remblayé. Si vous allez à Kobaya, vous allez à Dongo, c'est le même phénomène. Si vous allez du côté sud, vous verrez la même chose. À Bofi, entre Bofi et Dabondi, la même chose. Donc le phénomène continuera à s'aggraver tant que l'homme ne change pas son comportement. Comment l'urbanisation rapide et non planifiée de la capitale affecte-t-elle la gestion des eaux pluviales? Si l'homme construit là où l'eau doit passer, ça c'est dans le domaine de l'urbanisation. Si l'homme rétrécit le passage naturel de l'eau par les maisons qui sont là, c'est également le comportement de l'homme. Tout ça c'est le domaine de l'habitat. Tous les phénomènes que nous constatons aujourd'hui qui provoquent sincèrement les inondations, c'est dû à l'habitat. Le laxisme et le comportement des cadres. Si nous continuons à occuper le lieu qui est réservé naturellement par l'eau, il va sans dire qu'il y aura toujours des phénomènes là. Ce n'est pas sorcier. Quelles mesures préventives peuvent être mises en place pour minimiser les risques d'inondation à Conakry? Il faut éviter de construire là où l'eau doit passer. On n'a même pas besoin d'être ingénieur pour le savoir. Si vous allez à Chose, il y a un endroit où, je ne sais pas si vous connaissez bien le lieu, après l'aéroport, le hangar de Air Guinée, entre là-bas et l'aviation militaire, il y a une zone là-bas à droite, c'est un bassin de rétention que nous avons créé artificiellement. Parce que tout le bassin du côté de Yimbaya, toute l'eau qui tombe là-bas, descend et envahissait la piste. Nous avons eu un projet, un très grand projet, qui a consisté à creuser presque un tunnel sous la piste. Mais comme les eaux qui viennent du bassin sont très très importantes, on a créé d'abord un bassin à ce niveau pour permettre de recevoir la plus-value des eaux et l'eau passe en ce moment à tour de rôle sous la piste. C'est ce qui fait que actuellement vous ne constatez pas d'inondation au niveau de l'aéroport. Sinon, dans le temps, jusqu'au salon d'honneur, il y avait des fauteuils qui flottaient là-bas sur les inondations. Mais le problème est corrigé. Dès que, après le hangar, là, si un jour on construit à cet endroit-là, la piste va être envahie. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas technique, c'est naturel. Conakry est une presqu'île qui a deux versants. Quand vous prenez par exemple l'autoroute Fidel Castro ou bien la corniche Amdalaï, Lambani, Sonfonia, ce sont deux versants et qui partent de l'autoroute Le Prince. D'importantes eaux de ruissellement coulent à partir de la route Le Prince vers les deux routes, à savoir l'autoroute Fidel Castro et la corniche. Quelle est l'importance des systèmes de drainage urbain dans la prévention des inondations et comment évaluez-vous l'état actuel de ces infrastructures à Conakry? Naturellement, Conakry a une position privilégiée. Jusqu'à Dixine, je crois, vous avez le même relief. De Kaloum à Dixine, c'est le même relief. Dès que vous dépassez Bellevue, comme vous l'avez dit, vous avez déjà deux bassins versants. Un bassin qui va vers le nord, c'est-à-dire jusqu'à Sonfonia,
avant Sofoya Yataya, avant Yataya Kobaya, avant Kobaya Lambani, avant Lambani Nongo, etc. Et notre bassin, le bassin nord-sud, qui quitte l'Enam, qui va jusqu'à l'aéroport Youssouf 36. Donc normalement, la crête, c'est la route du Prince. Toutes les eaux qui tombent donc à Conakry, soit déferlent vers le sud ou vers le nord. Maintenant, si à ce niveau, il n'y a pas d'obstruction, l'eau circule normalement. Ce n'est même pas difficile d'assainir Conakry. Conakry, c'est un peu le continent qui rentre dans la mer. C'est ce qu'on appelle la péninsule. C'est une péninsule qui va donc de Kaloum jusqu'au 36, avec une largeur moyenne de 6 km et sur les 36 km. Donc, maintenant, les infrastructures, je dois vous dire honnêtement que les infrastructures qui sont conçues pour Conakry sont conçues avec de très bonnes dimensions. Les ingénieurs calculent ces infrastructures-là sur les pluies centenaires. Ils vont à la météo. La plus grande pluie des 100 dernières années, c'est sur la base de ces pluies-là qu'on calibre, qu'on calcule les dimensions des ouvrages. Si vous voyez, il n'y a pas de... Je ne parle pas des petits ponceaux ou des dallos, mais les grands ouvrages de drainage à Conakry sont calculés sur la base de ces pluies centenaires. Vous avez de l'eau qui quitte le camp Alfaïa, les eaux qui quittent toute la zone de Bessia, Yimbaya Tannery, qui descend à l'aéroport et qui passe sous la piste et qui sort à Bessia. Et là, tous les calculs ont été faits sur la base des pluies centenaires. Il n'y a plus d'inondation à ce niveau. Même le pont qu'on a fait sur l'autoroute au niveau de l'aéroport où il y a des stagnations d'eau temporairement quand il pleut, c'était dû au fait que l'avaloir qui est fait là, c'est des fois bouché de matelas, de pneus, de saleté. Et dès qu'on nettoie, l'eau passe régulièrement. Il n'y a aucun problème en ce qui concerne les ouvrages à Conakry. Maintenant, si ces ouvrages sont remplis de saleté de toutes sortes, les fossés ne sont pas curés deux fois par an, il va sans dire que les dégâts seront énormes pour la route surtout. Si les ménages déposent les ordures ménagères dans les caniveaux et les services compétents qui doivent nettoyer ces caniveaux n'ont pas les ressources nécessaires ou n'ont pas les moyens techniques à nettoyer ces caniveaux, il va sans dire que les caniveaux seront là, mais pour rien, parce qu'ils vont être remplis d'ordures, et si les ordures ne sont pas levées, l'eau va être stagnante sur la route, et lorsque l'eau est stagnante sur la route, il va sans dire que l'eau va pénétrer la structure, le revêtement de la route, et lorsqu'il y a une petite fissure, lorsqu'il y a une petite, une petite faille qui laisse passer l'eau, l'eau va aller attaquer la couche de base de la route et la route est rapidement dégradée. C'est le phénomène qu'on constate actuellement sur la quasi-totalité des routes de notre pays. Pouvez-vous décrire les conséquences à court et à long terme des inondations sur les infrastructures urbaines? À court terme, les routes vont être dégradées lorsque vous avez un petit nid de poule dans lequel il y a des flaques d'eau. Et lorsque, pendant qu'il y a cette eau dans ce nid de poule, un camion gros porteur passe dessus. Si vous voyez le phénomène, si les ingénieurs vous disent ce qui se passe à ce niveau, lorsque un pneu rentre dans un trou rempli d'eau, la pression de l'eau qui sort de ce trou-là, par le fait de la pression de la roue qui passe, sur les parois de cet endroit-là, c'est phénoménal. C'est ce qui fait que les routes se dégradent en exponentiel. Dès qu'il y a une fissure, dès qu'il y a un trou sur lequel il y a de l'eau qui stagne et qu'un véhicule passe dessus, le phénomène de les forces qui chassent l'eau de ce trou et l'eau qui tombe sur les parois de trou contribue à aggraver également la chaussée. Ça, c'est le phénomène à court terme.
à long terme, toute la route peut être aussi dégradée. Et on ne pourra plus supporter le budget de la remise à niveau de ces infrastructures. On ne pourra plus supporter. Parce que toutes les routes vont être dégradées. Les habitats vont être également impactés. Ça va créer aussi les impacts négatifs sur le commerce. Ça va impacter aussi, ça va engendrer aussi les maladies. Le choléra, je ne souhaite pas, mais le palu dû aux moustiques qui sont dans ces eaux stagnantes-là. On ne peut pas éviter le phénomène. Ok, on ne peut pas éviter le phénomène. Quels sont les impacts sociaux et économiques des inondations sur les populations urbaines, en particulier les plus vulnérables? Lorsque vous habitez un bas-fond dans une maison provisoire ou même une maison de qualité, ceux qui ont le rhumatisme avec l'humidité, ça impacte leur santé. Ceux qui sont dans les maisons provisoires en bois ou en tôle d'une manière illégale, précaire, provisoire, ils subissent vraiment le phénomène négatif de ces eaux. Donc le commerce est impacté parce que les denrées vont périr. Ensuite, l'habitat est impacté pour ceux qui habitent ces bas-fonds. Et troisièmement, les maladies vont naître de suite de ces eaux stagnantes. Voilà les conséquences sociales et économiques sur nos pauvres populations. Les conséquences sont énormes et multiples. Quelles sont les solutions techniques que vous recommanderiez pour améliorer la résilience de Conakry face aux inondations? Le problème de Conakry pour les inondations, c'est beaucoup plus administratif, politique que technique. Je vous ai dit que les ouvrages qui sont conçus pour recevoir en tout cas les grandes pluies. Je parle de tous les ponts, les caniveaux qui sont construits, en général, de grandes dimensions, sont conçus pour recevoir au moins l'eau qui passe. Maintenant, si les services de base qui octroient des permis de construire, qui autorisent donc les gens à habiter les bas-fonds, qui regardent les fortunés remblayer les bassins versants, à remblayer les zones de mangrove, je crois que le phénomène va continuer. Donc, il n'y a pas de solution technique, il y a des décisions à prendre. L'administration doit prendre des sanctions. Mais avant de prendre des sanctions, elle doit d'abord procéder aux sensibilisations, à la radio, à la télévision, à la presse écrite, par les visites dans les familles, sensibiliser suffisamment les ménages. Et après, suivre le respect des recommandations. Et après, s'il n'a pas suivi, mais il faut sanctionner. Il faut d'abord sensibiliser, ensuite suivre l'application des recommandations, des sensibilisations, et après sanctionner. Sanctionner les ménages qui ne respectent pas les consignes, le dépôt des ordures au niveau des caniveaux, sensibiliser les autorités locales, coutumiers, services de l'habitat local, pour respecter les décisions qui tendent à améliorer la situation. Donc si ces trois principes sont respectés, la sensibilisation, le suivi et les sanctions, Il n'y a pas de solution technique. Les solutions techniques sont là. Mais même si vous faites un caniveau de 50 mètres de large, si toutes les ordures sont dedans et ce n'est pas curé, qu'est-ce qui va se passer? Les ordures vont remplir les caniveaux et puis l'eau n'aura pas de place pour passer. Voilà. Moi, je ne trouve pas de solution technique. Je trouve une solution administrative. Il ne faut pas que le ministère de l'Habitat regarde les gens habiter les lieux qui ne sont pas habitables. Si vous laissez les gens occuper les lieux qui ne sont pas habitables, mais il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas des catastrophes. Allez un peu à Frigadi. Tout le monde, en sortant de Conakry, il regarde les gens qui sont en train de monter sur les flancs de montagne là. On construit sur le flanc de montagne. Il n'y a pas longtemps combien de morts on a eu à Mania. Il y a quelques années, au niveau d'Abondi, le bas-fond de Bofi, il y avait un bassin de rétention naturelle là-bas.
on a construit là le marché dit marché Big Momo, qui bloque le passage des eaux. Et à côté, il y a une station d'essence. Et après, il y a les scieurs de bois. Tous ces phénomènes ont fait que, à un moment donné, dans la côte de, qui va vers les, je ne sais pas si c'est comment on appelle le quartier là, il y a eu des morts. Toute une famille a été emportée par les eaux. Tout ça, c'est vu, c'est connu. Évidemment, peut-être que ce n'est pas propre seulement la Guinée, parce que j'ai appris qu'il y a un pays, je ne sais pas si c'est l'Ouganda, où les gens habitent au flanc des ordures. Il y a eu des éboulements, il y a eu plus de 10 morts dans les ordures. Les gens sont tellement pauvres qu'ils habitent en bas des flancs des ordures ménagères. Les ordures se déversent sur eux et ils meurent dans ça. C'est quand même pitoyable pour l'Afrique. Beaucoup des cours d'eau qui sont à Conakry et un peu à l'intérieur dans certaines villes, il y a le lit des cours d'eau qui est occupé par les citoyens. On y a construit. Et est-ce que cela peut avoir sa solution? Si vous prenez le fleuve Niger aujourd'hui, qui quitte les Farana jusqu'au Niger, ça continue. Tous les pays qui sont traversés par le Niger ont eu des inondations cette année. Pourquoi? Parce que le lit mineur de la rivière est rempli de sable. Donc il y a plus de profondeur. Même au niveau de Yelbako, lorsqu'on faisait le pont, et quand vous venez au mois de mai, vous pouvez traverser le fleuve à gué. Maintenant, quand c'est le mois d'août, le fleuve multiplie sa largeur par 5, 6. C'est le même phénomène. Donc vous êtes dans un lit majeur en ce moment. Toutes les villes situées au bord de ces rivières-là subissent ce phénomène. Si vous allez à Bamako, les gens pensent que habiter à côté de la rivière, c'est vous avez de l'air, vous pouvez faire le maraîchage, vous pouvez élever les animaux à côté, vous avez de l'eau pour vos cultures, vous pouvez pêcher un peu. Mais ils oublient également que le lit de la rivière continue à recevoir des quantités de sable. Et donc, les quantités d'eau qui viennent sont de plus en plus grandes. Et si la rivière est obstruée, évidemment, le lit du fleuve s'élargit et ça tombe sur des habitats qui sont à côté. Et généralement, les pluies, les grosses pluies, c'est la nuit. Ça trouve que les gens dorment et leurs pauvres maisons tombent sur les pauvres personnes. C'est ce qui fait le phénomène. On a constaté au Niger, plus de 100, près de 200 morts. Au Mali, près de 150 morts. Au Burkina, la même chose. Au Nigeria, la même chose. Donc, c'est le même. C'est pas propre à la Guinée. Pour ce qui concerne les habitats au niveau des rivières. Mais là également, si les autorités locales veillent sur le grain, empêchent les gens de construire au bord des marigots. Parce qu'il y a des repères. Quand cette année, les grandes crues s'arrêtent à ce niveau, vous faites des repères ici. Et vous enlevez tous ceux qui sont à l'intérieur de ces repères-là. Mais si vous avez peur, parce que lorsqu'une personne construit, vous l'enlevez, ça peut se gérer. Mais lorsque c'est 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, ça devient un phénomène social, difficile à régler. Si vous prenez la ville de Farana ou la ville de Sigiri, il ne devrait pas y avoir d'inondation à ce niveau. C'est des villes qui sont en amphithéâtre. Quand vous êtes à Farana, vous voyez la ville, c'est un seul bassin qui vient vers le fleuve. Il ne devrait pas y avoir d'inondation à Sigiri. Sauf si les gens quittent le bassin, ils viennent construire à côté de Marigo. C'est comme Farana, la même chose. Les villes comme l'abbé Pita ne connaîtront jamais d'inondation, ils sont en hauteur. Mais lorsque vous venez envahir le lieu qui est réservé pour les cultures et pour l'eau, vous allez subir les conséquences de l'eau. Donc moi je ne trouve pas de solution parce qu'on n'aura pas de moyens de curer ces rivières-là pour évacuer les millions de mètres cubes de sable. Il faut discipliner les populations, s'éloigner au fur et à mesure de ces rivières-là. Évidemment, nos parents aujourd'hui, avec la sécheresse, plus ils sont loin de l'eau, plus ils sont malheureux. C'est ça aussi le problème. Donc on est entre le
marteau et l'enclume. À Conakry, par exemple, les petits cours d'eau qui existent dans la ville, le lit de ces cours d'eau sont occupés par des nantis ou des gens qui sont bien positionnés. Est-ce que les chefs de quartier peuvent résister à la demande ou bien en tout cas à l'influence de ces gens qui viennent occuper le lit des cours d'eau? Ce phénomène est plus fort que les chefs de quartier. Ça, c'est le gouvernement qui doit prendre des dispositions pour ça. Vous savez, à un moment donné, je crois que je me rappelle, c'est le ministre Sékou Manton qui était ministre des Travaux publics. Et on lui a dit de faire ce qu'on appelle la route du pompier. C'est-à-dire autour de la ville de Conakry, les maisons doivent être à 150 mètres de la marée haute. C'est-à-dire, vous prenez la mer, la limite de la marée haute, vous mesurez à partir de là-bas, vous laissez 150 mètres. Ça, c'est la zone qui est réservée à la route du pompier. Dans toutes les villes modernes, côtières du monde, l'évacuation se fait par la mer. Je ne souhaite pas. S'il y a un problème à Conakry, on va évacuer les gens comment? Comment on va les faire? C'est la seule route, l'unique sortie. Si cette sortie est bloquée, on fait quoi? On évacue les gens par la mer. Comment évacuer les gens par la mer? Vous n'avez pas accès à la mer. Dans les villes modernes, il y a toujours une route qui longe, qui est une corniche qui longe la mer. Pour évacuer, le pompier, il suit la corniche et il rentre là où vous devez, où ils doivent intervenir. Donc, lorsque le ministre Sékou Manton a voulu mettre cette décision en marche, on a été visiter les lieux. Tous ceux qui sont dans le périmètre de 150 mètres après la marée haute sont des gens intouchables. Donc le projet était mort-né. Après, un autre ministre qui a fait une grande étude, c'était Oye, comment il s'appelait, à l'Habitat, qui a fait une très bonne étude, qui a consisté à créer artificiellement dans la mer cette route du pompier. Ça coûtait quoi, 200 millions de dollars quoi, à l'époque. Et ce projet-là aussi est là, mais il est abandonné. C'est-à-dire on pompe le sable et on crée une corniche qui habille la ville pour faire la route des pompiers. Donc aujourd'hui, on n'a pas ce... Tout le monde va dans la mer maintenant. Et le continent ne peut plus respirer. Il y a même un autre projet, je crois que c'était avec le ministre Bana, c'était bien également, qui consistait à mettre des normes pour les maisons en hauteur. Tous ceux qui sont au bord de la mer à Kaloum, les maisons ne devaient pas dépasser 5 étages. Ceux qui sont à l'intérieur pouvaient aller jusqu'à 10-12 maximum. Mais vous voyez aussi aujourd'hui au bord de la mer des maisons de 10 étages qui masquent complètement ceux qui sont à l'intérieur du continent. Tous ces phénomènes-là ne sont pas naturels. C'est des décisions que les hommes prennent. Donc c'est même plus fort que les petites autorités qui sont au niveau des quartiers ou des communes. Ça, c'est au niveau des décideurs. Ce n'est pas un chef de quartier qui a les moyens de construire des grands bâtiments comme ça. C'est vraiment les décideurs. Partout où vous partez, c'est comme ça. Même les zones Kobaya, là, comme on appelle, là où il y a la réserve d'eau souterraine de Conakry, entre Ratoma et Kobaya, là également les gens sont en train de construire sur le site. Et ce sont des signataires. Voilà. Des signataires des documents. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et quelle est la place de la sensibilisation du public dans la prévention des inondations? Parce que là, tous ces gens nantis ou bien positionnés qui viennent par exemple occuper le lit des cours d'eau, et d'autres qui occupent des positions qui ne sont pas tout à fait normales dans les quartiers, et c'est devenu un phénomène très redoutable. La sensibilisation est essentielle. Mais l'homme est têtu des fois. Lorsque donc la sensibilisation n'est pas doublée de sanctions, la sensibilisation ne servira absolument à rien du tout. Mais nous sommes dans des systèmes où l'impunité occupe une place importante dans nos sociétés. Lorsqu'il n'y a pas de sanctions, sortez tout de suite, quand vous allez sortir, vous verrez des gens qui sont en moto à quatre.
Vous allez à l'hôpital, vous trouvez des gens qui sont fracturés, une fracture de bras, de tête, de tout, à l'hôpital. Mais vous sortez, vous voyez aussi quatre personnes sur la moto. Et ils passent devant les policiers. Donc là également, c'est un phénomène qui est ancré au Guinéen, à l'Africain peut-être, à l'homme. Mais l'homme, tant qu'il n'est pas puni, tant qu'il n'est pas sanctionné, il ne changera pas de comportement. L'homme a tendance à abuser de phénomènes. Il a le pouvoir, il abuse du pouvoir. Il n'est pas puni, il abuse de l'état de ce fait-là. Tant qu'il n'y a pas de sanctions, mais avant les sanctions, il faut suffisamment sensibiliser, suffisamment prendre des témoignages, avertir suffisamment avant de punir. Mais si vous n'avez pas le courage de punir parce que vous avez peur, un chef de quartier a peur d'empêcher un gros bonheur de construire pour ne pas qu'on l'enlève de son poste de chef de quartier. Il a peur de sanctionner des gens qui construisent dans les bas-fonds, des pauvres types qui font des maisons provisoires dans les bas-fonds, parce que dès qu'il y a un problème, les jeunes viennent casser sa maison à lui. Donc il va dire, ah, si je touche la maison de ce monsieur-là, c'est des bandits qui habitent son taudis, ils vont venir casser ma maison. Alors si je me touche aussi à ce monsieur bien fortuné, sa villa est là, j'empêche qu'il construise, et il va prendre la décision de m'enlever de mon poste. Ils sont dans cette situation-là. Donc, que vous tournez à gauche ou que vous tournez à droite, vous finirez toujours par aboutir à ceux qui prennent des décisions véritables. S'ils n'ont pas le courage de prendre des décisions véritables, on va subir le phénomène-là tout le temps. On dit changement climatique, c'est naturel, c'est mondial et tout, c'est vrai. Mais si on prend des dispositions pour l'Afrique ou alors pour Conakry, les effets peuvent être vraiment minimisés. Franchement, je ne trouve pas de raison qu'à Conakry, qu'on ait des inondations mortelles à cause de phénomènes naturels que Dieu nous a offerts pour ces deux bassins principaux de Conakry. Franchement. Des mesures de sanctions soient entreprises par les décideurs pour en tout cas freiner l'élan de certaines personnes qui en tout cas adoptent des attitudes qui ne sont pas bonnes. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux citoyens de Conakry concernant la prévention et la gestion des inondations? Je conseille aux citoyens de Conakry de donner la priorité à leur vie, à leur bien-être, à leur santé. Que ces populations elles-mêmes se refusent d'occuper les lieux qui ne sont pas propres à l'habitation. Il faut qu'ils préservent leur vie, leur propre vie. C'est le seul conseil que je peux leur donner. Maintenant, celui qui veut se tuer, on ne peut pas l'empêcher de se tuer. Puisque l'homme, si vous construisez un bâtiment, il est construit pas pour les fous, pour les hommes normaux. Sinon, on n'aurait pas fait des balcons sur les maisons. Parce que si tu sais que c'est le fou qui doit occuper la maison, tu ne fais pas de balcon. Donc, l'homme n'est pas fou. L'homme réfléchit. Je conseille aux citoyens de ne pas occuper les zones qui ne sont pas propres à l'habitation. Vous n'avez pas besoin d'être intellectuel pour savoir que là, c'est le passage de l'eau. Vous n'avez pas besoin d'être ingénieur pour le savoir. Il faut simplement avoir le bon sens. Puisqu'avant, ces zones-là n'étaient pas occupées. C'est des zones de reproduction des poissons, c'est des zones de passage de l'eau, c'est des zones qui véhiculent l'air pour l'intérieur du continent. Donc, il faut qu'ils évitent d'occuper des zones qui peuvent les amener des maladies, les apporter des malheurs, qui peuvent même créer leur décès, qui peuvent enfreindre à la prospérité et à l'épanouissement et à la vie paisible de leur progéniture, leurs enfants, leurs familles, dans des bas-fonds, avec des eaux polluées, des maladies, des moustiques. Donc, ils voient, ce n'est pas caché. C'est des phénomènes qu'ils ne peuvent pas maîtriser, on peut comprendre. Mais c'est un phénomène qu'ils peuvent maîtriser. Maintenant, un autre phénomène qui aggrave les inondations. Vous savez, nous sommes dans une cour comme ça où il y a le gazon.
quand l'eau tombe dans le gazon, elle n'a pas le même comportement que l'eau qui tombe sur du chaos ou sur une route bétonnée. Toutes les eaux qui tombent dans le gazon ou dans les cours où il y a des cailloux ont le temps de rester un peu longuement, s'infiltrer, aller ravitailler la nappe phréatique. C'est le trop-plein qu'il y a dans le fossé. Mais toute l'eau qui tombe sur les cours bétonnés va directement dans le fossé et va à mer. Donc le phénomène d'urbanisation intensif, massif, tous les espaces sont occupés. Qu'on a qu'il n'y a pas de forêt communautaire, il n'y a pas d'espace non bitumé. Donc toutes les eaux qui tombent vont aussi dans les caniveaux. Ça aggrave aussi le phénomène d'inondation. Parce que lorsque, par exemple, les zones-là n'étaient pas habitées, toutes les eaux qui tombent ici, avec les arbres qui sont là, les racines qui fissurent le sol, l'eau s'infiltre par ces fissures-là, les carreaux, les cailloux qui sont là, l'eau est retenue par ces cailloux, le gazon qui est là, l'eau est retenue par ces gazons. Là également, une quantité importante des eaux se retrouve retenue ici. C'est lorsque le sol est vraiment imbibé d'eau que le trop-plein coule. Mais si tout est habité, c'est des tôles. Des tôles, ça tombe sur le chaos. Le chaos, ça va dans le fossé. Le fossé est bouché. C'est ça l'inondation aussi. Beaucoup de citoyens même déposent des ordures nuitamment dans les fossés. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce cas? J'ai malheureusement constaté un exemple déplorable. Une fois, des voisins qui avaient une fosse septique remplie. Dès qu'il y a eu la flotte, ils ont profité pour curer leur fosse et déverser toutes les ordures, toutes les sels accumulées les années durant sur la route. Et l'eau a drainé ces ordures-là dans le salon d'un voisin qui était en contrebas. C'était un ancien diplomate qui venait d'arriver de la Libye, qui avait aménagé son salon. Il y avait des tapis là-bas. Et il s'est retrouvé avec les morceaux de merde dans son salon. J'ai vu ce phénomène-là. Donc, le Guinéen n'est pas... La citoyenneté manque beaucoup à beaucoup de Guinéens. Il vide ses ordures, il met sur la chaussée, et l'eau envoie ses ordures-là dans le salon d'un autre qui était situé en contrebas. Le gars a perdu ses tapis, il a perdu... Il y avait la merde qui sentait partout dans le quartier. Ça, j'ai vu. Innocemment. Oui. Les gens profitent donc la nuit. Tous ceux qui ont comme ordures à la maison, ils déversent la route. Et tous ceux qui ont des latrines bouchées, et ils les vident, ils les mettent sur la route. Tant pis pour ceux qui passent, tant pis pour ceux qui sont en bas. Voilà, tout ça c'est déplorable. Et pourtant, il n'y a pas un mètre carré de ce territoire-là qui n'est pas contrôlé. C'est déplorable dans un pays où il n'y a pas un mètre carré qui n'est pas contrôlé. Quels sont vos espoirs et vos attentes pour l'avenir en ce qui concerne la gestion des inondations à Conakry? Bon, l'homme doit vivre d'espoir. Mais c'est le pessimisme qui est visible. Mais nous devons quand même prier Dieu et vivre d'espoir. Mais je ne vois aucune disposition. En dehors des déclarations, je ne vois aucune disposition concrète tendant à enrayer définitivement le phénomène. Je ne sais pas si vous en voyez, mais les autorités disent toujours on est de cœur avec vous, on compatit à vos douleurs, c'est normal, on compatit aux douleurs. Mais moi, je ne vois pas de mesures concrètes, surtout que les mesures ne sont pas compliquées à prendre. Il faut une décision politique véritable. C'est tout. Vous envoyez les gens, quand ils ont voulu démolir la cité Kamayen, hein, ça a pris combien de temps? Ça n'a pas pris une journée. Pour ouvrir les caniveaux, pour ouvrir les bassins, c'est facile. J'ai vu de prendre une machine pour dégager en une journée. Si on veut vraiment faire des bassins versants, pas des bassins versants, des exutoires importants à Conakry, puisqu'on a déjà bouché les exutoires naturels, on fait des exutoires artificiels, mais c'est facile. On prend des machines, on ouvre, carrément. C'est très facile. Mais s'il n'y a pas de volonté politique, évidemment, ça va être un problème. Les décideurs sont à l'abri parce qu'ils sont au deuxième étage
pendant que les pauvres types seront dans l'eau en bas. Mais ces pauvres types-là aussi, ils ont vu les bas-fonds, ils ont conçu dessus. Voilà le phénomène. Voilà, honorable Kalimou Douyansané, c'est ici que prend fin notre entretien. Merci de votre disponibilité, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, je continue à espérer que les mentalités vont changer. Je continue à espérer que les autorités vont prendre leur responsabilité pour enrayer le phénomène. Je continue à penser que les services à la base vont veiller au grain. Je continue à penser qu'on n'aura pas de glissement de terrain dans la zone de Malia-Feghiadi. Je continue à penser qu'on ne va plus jamais enregistrer de morts dues aux inondations, puisqu'on nous aurons toute une année pour trouver la solution au phénomène. Merci. Alors, mesdames et messieurs, aimables lecteurs et téléspectateurs de guinematin.com, notre entretien avec honorable Kalimou Douyansané prend fin. À ce niveau-là, nous avons échangé sur les causes, les conséquences et les préventions dans le cadre de la gestion des inondations, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Des inondations que vous connaissez au cours de ce mois d'août, des dommages engendrés, des dégâts matériels importants ici et là. Alors donc, vous l'avez suivi. Merci de votre disponibilité. Merci de nous avoir suivis.